Mais oui, comme prévu, donc bien manger pour bien maigrir. Aujourd'hui, ça va être assez simple. On va faire des petites pâtes aux crevettes avec un petit bouillon que vous allez découvrir dans quelques instants. Voilà les différentes préparations. Donc on a les pâtes qu'on a cuites, les crevettes qu'on a décortiquées, nos petites tomates coupées en cubes, du basilic finement ciselé, et puis 4 feuilles de persil plat. Un petit jus de citron. Et là, c'est les fameuses crevettes que j'ai décortiquées, donc les petites carcasses qui sont en train de cuire. Parce que je vais les faire réduire au maximum pour faire un petit jus. Le bouillon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va mettre les quantités de pâtes, de spaghettis dans ce petit bouillon. Et les pâtes vont être prêtes là, chaudes. On va les dresser et on va finir la petite sauce avec le bouillon qui est là, vous allez voir. On va maintenant prendre nos pâtes, on va les dresser. Alors ce qui est important, c'est que le petit bouillon qui est au fond là, celui-là, il faut absolument le garder parce que c'est ce qui va faire la finition là. Voilà, dans le fond du petit bouillon, on jette rapidement les petites crevettes. On va y rajouter nos petits dés de tomates, le basilic haché. Voilà. Alors pour ceux qui sont un peu gourmands chez vous et qui ne sont pas vraiment en régime, vous pouvez même crémer très légèrement cette préparation. Mais franchement, c'est pas la peine. Voilà. Un tout petit coup de chaud. Ne les faites pas bouillir parce que sinon les crevettes vont rétrécir. Juste chauffer. On va verser délicatement sur nos préparations avec un petit peu de bouillon là. Voilà. Et donc ce petit mélange. Alors pour ceux qui aiment, vous avez même le droit de vous mettre un petit peu de parmesan dessus, hein, mais bon. Voilà, tout ça c'est du plus. Et on va finir avec une petite pointe de persil plat, comme ça. Voilà. Et une toute petite goutte d'huile d'olive, mais alors de la bonne. Hein. Voilà. Parce que ça, il en faut un petit peu quand même. Et voilà. Et bon appétit et à la prochaine.